Ami, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On va repartir sur la map Grand Utopia. On va livrer de la viande de poulet de 17 tonnes. Et on va partir où on s'est arrêté la dernière fois. Donc, la ville, c'est Utopia Loucharville. Pour aller vers la ville qui se nomme Point du Nord. Donc là, il y a 13 km à faire pour 22 minutes. Donc on allume le moteur, Allons-y. le contact, frein à main, marche avant, et c'est parti, mon kiki. Donc là, on va quitter l'entreprise. Ensuite, Préparez-vous à tourner à droite. on va aller à droite, hein. Tournez à droite. Oui, ben on a compris. Donc là, on va s'arrêter à la douane. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Donc là, on va aller sur la voie de gauche. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Donc, toi, tu restes vers le feu. Tournez à gauche. Voilà, c'est bon. Et on a compris. Gauche. Et après, c'est à droite. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Oui, mais on a compris. Alors donc, dans un premier temps, je tenais à remercier pour ceux et celles qui sont abonnés à ma chaîne. Ça commence à monter de plus en plus. Ça me fait très très plaisir, hein. Donc il faut continuer comme ça afin de d'atteindre les 500 abonnés. Et ensuite, on active la cloche, hein. Et après, liker, commenter, etc., etc. Et le but, c'est d'avoir 100 abonnés, après 1000 abonnés, 1500,
2000, 3000, 10 000, le maximum qu'on peut. Et je sais que vous pouvez le faire. C'est très très facile à s'abonner à une chaîne. Il y a un gros bouton rouge en bas de la vidéo. Donc pour ceux qui ne savent pas encore où se trouve le bouton, c'est en bas à droite. Hein. MDR. Ensuite, on like. Et on commente. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Donc là, ça va monter très très sévèrement. Et ça va être... ça va ralentir un peu là. Parce que nous, on transporte 12 tonnes. Donc ça va ralentir. Donc là, on va essayer d'accélérer. Enfin, pas trop, parce que sinon faut pas dépasser la limite de vitesse, parce que sinon il y a la police qui vont être là, et je sais qu'ils sont là dans le coin. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. En fait, ils m'attendent. Ouais. Donc c'est pour Sortez ça qu'on va maintenant. Rouler doucement, lentement, mais rapidement, parce que quand même on a une livraison à faire et il reste 10 km à faire, hein, pour 11 minutes. Donc c'est pas très très long, mais quand même 11 minutes, c'est un bout de chemin à faire. Donc là, on va pouvoir rouler à 80 km à l'heure. Donc le jeu est toujours en bêta, la version 1.48. Hein. On va attendre que cette version 1.48 soit officielle. Et ensuite, on va attendre que les mappers terminent leur map et qu'ils soient compatibles avec la version 1.48. Et bien entendu, avec d'autres villes à découvrir. Donc comme ça, on va pouvoir retourner sur la map Île-de-France. Donc comme ça, pour ceux qui connaissent pas Île-de-France, bah, je vous ferai une petite visite guidée. Je vous montrerai où sont les choupinettes, où sont les loulous. Enfin, les loulous gentils, hein. Et les loulous méchants. Non, ils sont gentils, ils sont pas méchants. Ils sont
sont gentils. En tout cas, je vous montrerai la map Île-de-France. Parce que comme il va rajouter d'autres villes, donc pour l'instant je sais pas quelle ville qui aura sur cette map. Je sais que dans la version 1.47 il y a Rungis, Créteil. Mais après, que j'ai pas fait parce que comme j'étais pas chez moi, donc je pouvais pas la faire. Et comme là, il y a la version 1.48 qui va bientôt se pointer là. Donc on va attendre sagement la version 1.48 pour qu'on puisse retourner sur la map Île-de-France. Donc là, c'est une côte très sévère, hein. Ça nous fait ralentir le un petit peu là. Parce que comme on a 12 tonnes, donc voilà, c'est pas une pente très très méchante, hein, à comparer à d'autres côtes. Parce qu'il y a une côte, je te promets, elle est très 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 chaude. Alors pour ceux qui la connaissent, c'est la ville paradis. Donc bien entendu, on ira un jour. Quand ils vont me proposer, bien entendu. Mais je le ferai ça dans la journée et pas pendant la nuit en tout cas, parce qu'il faut aller dans la journée, parce que sinon déjà en journée c'est chaud. Alors si on voit si on y va pendant la nuit, ça sera impossible. Parce qu'en fait, il n'y a que des montagnes. Donc, il faut tourner à droite, à gauche. Il y a des virages. Il y a des camions. Donc, c'est impossible. Donc, ça, il faut faire ça en journée. Donc, soit s'il propose là, on le fait. Sinon, on fera demain. Enfin, dans le jeu. Mardi. Parce que là, on est le lundi 13h13. Donc, on verra. On verra à ce moment-là. En tout cas, je le ferai en journée. À mon avis, vers 7h du matin. Comme ça, on prendra le temps qu'il faut. Parce que comme il y a une côte très 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 sévère, alors là, et en plus, faut que je choisisse le bon camion qui pourrait monter. Parce que moi, une fois, je l'ai fait et j'ai testé moins 4 camions. Donc, il y a un camion que je pourrais le faire, cette côte. Parce que les autres, j'arrive pas. Parce qu'en fait, il faut rouler.
un kilomètre à l'heure sur une côte. Donc, mais bon, vous allez voir quand, enfin, le jour où je ferai cette ville. Peut-être la prochaine mission, je ne sais pas. Ça dépendra s'il nous propose, on l'a fait, et surtout s'il propose le camion que j'aimerais bien prendre. Et si je me souviens, c'était le Scania. Parce que les autres, je suis pas arrivé. Mais en tout cas, je serai en voix off, juste pour voir si j'arrive à monter. Si j'arrive à monter en voix off, je vous ferai ça en vidéo. Comme ça, moi, je pourrais choisir le camion, le bon camion, ouais, tout ça. Parce que je me rappelle plus si c'est Scania ou le MAN. Je sais plus. En tout cas, je sais que c'est pas le Mercedes. Ni peut-être que c'est la Volvo. Ah ouais, il y a le... Ouais, peut-être que c'est la Volvo. Enfin, on verra, je verrai ça. Je vous dirai un jour il me propose cette mission. En plus, je l'avais dit avec un youtubeur, un colo, je lui ai dit Préparez-vous à tourner à qu'il gauche. fallait prendre ce camion. Et je crois que Tournez je à lui ai dit gauche. Scania. Ouais. On est presque arrivé. Il reste encore 2 minutes. Allez tout droit. Non, sans blague. Je pensais qu'on allait à droite. Donc il reste encore 2 minutes. Enfin, 1 minute pour vous abonner si c'est pas fait. Likez, commentez, activez la cloche. Donc là, il n'y a personne. On va y... Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Oui, on a compris. Gauche, elle a dit. Donc. Et à ses limites, à 30 km à l'heure. Et au bout, on va arriver à l'entreprise. Et cette entreprise, j'aime pas du tout. Enfin, nous y voilà. Parce que ça va être très très chaud pour se stationner. Donc là, on va prendre la plus facile, hein, pour une fois. Non, je rigole. Ouais, on va prendre le plus facile. Ouais, allez.
Donc, alors. Donc là, on va aller très, très, très doucement. Donc, ouais, je sais que, ouais, il y a une remorque qui me gêne. Qui va me gêner, mais bon, on va faire un demi-tour. On va sortir de cette entreprise. Comme ça, on va se mettre comme ça. On va se mettre vu comme ça. Et normalement, on va pouvoir reculer comme il faut. Donc, on va être doucement. Non, ça va pas là. Je pense que on va devoir quoique. Comme chez un pro. Mais non. Il faut avancer. Alors, on va se mettre comme il faut, droit. C'était bon, mais on va se mettre comme il faut, comme ça. Allez. Et non, c'est bon. Allez. Neutre. Allez. On coupe le contact, le moteur. Donc j'espère que ce petit trajet vous a plu. Si c'est le cas, bah, abonnez-vous, likez, partagez. Vous connaissez la chanson mieux que moi. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!